Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve encore une fois pour mettre fin à un autre arc de la chaîne. C'était l'arc Fall Guys, les amis. C'était un arc pas très long, mais qu'est-ce que c'était kiffant. On a invité les gens. Mes arcs préférés en général, c'est les arcs où on invite les abonnés pour jouer avec nous. Et c'était l'un d'entre eux où on pouvait inviter un petit peu tout le monde. C'était vachement fun et tout. Alors, j'ai pas de skin, puisque j'ai relancé sur mon compte là de Xbox, hein, ça m'a évité de remettre la play. Donc c'est bien, ça fait le full circle, comme on dit. C'est un petit peu... comment ? Symbolique. On repart niveau 1 pour le dernier live. Alors attention, la stat est terrifiante. Attendez, je trouve... Tournoi ? Ah, il y a solo. Attends, il faut que je joue à tournoi d'abord. Ok. Il y a des nouveaux modes, donc on va faire un petit peu comme Overwatch, on va tester un petit peu toutes les nouveautés. C'est quoi ça, tendance artistique? Oh, il y a des créations de modes aussi. Il y a les JO. Ok. Écoutez, on va se dépêcher, on va essayer de tout tester. Le jeu a l'air d'avoir bien évolué là encore. Donc oui, comme je disais, stade terrifiante, 2 ans. 2 ans. Depuis le dernier live Fall Guys, c'est un truc de ouf. Alors pas aussi terrifiant qu'Overwatch où c'était 5 ans, mais 2 ans quand même. Là où c'est terrifiant, c'est que Fall Guys, j'avais l'impression vraiment que c'était un arc récent sur la chaîne, tu vois. C'est pour ça que je trouve que 2 ans, c'est terrifiant. Allez, c'est parti. Oh, c'est marrant. Ouais, mais du coup, c'est du crossplay, je crois, cross-platform. Et donc, on a un petit Fall Guys là qui a une tenue. Bah, il y en a plusieurs même, ils ont des tenues PlayStation. Et je crois aussi que... Oh là, allez, oui, il faut passer en même temps que... Okay. Là, il y a une battle. C'est par là que la battle, elle gagne. Trop sympa, ce jeu. Je le kiffe. Attends, comment on plonge déjà? C'est comme ça. Oh, putain. Je suis bien placé, là. Oh, yes. J'ai pas perdu la main, les gars. Yeah. Deuxième, let's go. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ils ont leur petit truc. Oui, et Fall Guys, c'est redevenu populaire à un moment quand ils ont passé free-to-play le jeu. Et je crois que notamment qu'il était offert avec le PS Plus. C'était vers là qu'on avait commencé à y jouer, je crois, d'ailleurs. Ah, il y a le skin, Assassin's Creed, le Doom. D'ailleurs, Doom Eternal, les amis, le Let's Play va bientôt reprendre. J'hésitais justement là, tout de suite, entre vous faire le live Fall Guys ou le live Doom. Final, c'est parti sur Fall Guys parce que là, je viens de faire une journée de taf et que je me suis dit, oh, Fall Guys, ça va être quand même plus posé, plus détente. En plus, ça me permet de boucler un arc sur la chaîne. Voilà, je vais rayer un petit nombre de ma liste après. Je rappelle encore, hein, toujours pour ceux qui regardent les rediffs ou les lives, ça veut pas dire qu'il y aura plus jamais notre vie de... Oh merde. Non, je vais perdre sur ce move de con. Ok. Allez, 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 on peut rattraper. Hop, on prend pas ça. Vite. Ah voilà, il faut plus se planter là. Attendez, pardon, je reste focus. Parce que j'ai quand même envie. Vous connaissez, hein, j'ai envie de gagner moi. Hein. Oh putain! Mais non, mais j'avais une mauvaise appréhension de la profondeur. Allez. Oh, mon appréciation de la profondeur a été catastrophique. Je pensais vraiment que le machin était plus loin. Ok. Vite. Attendez, bah apparemment, on peut quand même tous se qualifier. Hein, parce qu'on est tournoi 10 sur 10, mais... Ah, j'ai l'impression qu'on peut pas être éliminé. Attends, si. Les derniers vont être éliminés quand même. Qu'est-ce qui se passe? 10 en lice. Ah ouais, non, on pouvait tous se qualifier. Let's go. Parfait. Oui, donc comme je disais, il pourra toujours avoir des lives plus tard sur Fall Guys. Bon, vous avez vu qu'il n'y en a pas eu pendant 2 ans. Il pourrait y en avoir dans 3 ans, dans 4 ans, je sais pas. On se ferme aucune possibilité, mais on dit, voilà, on n'a pas oublié Fall Guys, c'est pas une plaie ouverte sur la chaîne. Voilà, on marque un petit peu, on ponctue cette aventure. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une compétence? Un ballon? Qu'est-ce que... Pour cette merde... C'est nouveau ça. Wow. Wesh. Incroyable. C'est quoi? Attends, faut tourner.
J'espère que c'était pas important de prendre le portail. Hein. Wow, trop bien. Ils ont encore mis des nouveautés dans le jeu. Je pensais que le jeu était un petit peu laissé à l'abandon. Et en fait, petit... Wow. Ah, c'est vraiment le genre de jeu que je kiffe, ça. C'est fun, c'est simple, efficace. Ah, merde. J'étais sûr que ça allait marcher, le tremplin, ici. Incroyable. Je suis premier. Oh, je suis arrivé premier, là. Soit premier, soit deuxième, en tout cas. Ouais, je suis carrément, il passe au-dessus de la ligne d'arrivée. Trop fun, ok. Ouais, si, si, j'ai eu la première place. Allez, les gars. 7 qualifiés, et si on top 1 dès le retour sur Fall Guy, c'est magnifique. Hein. Alors, c'est quoi la manche suivante? Ouh, ah oui, c'est chaud, ça. J'étais pas trop mauvais à... De toute façon, j'étais pas trop mauvais à Fall Guys, hein, de manière générale, on va pas se mentir. Les boules de neige en folie. Alors, attends que je me souvienne. Donc, si tu te prends une boule de neige, t'es stun. Là, sous le sol, c'est censé se briser. Alors, c'est quoi? C'est la boule de neige qui brise? Qu'est-ce qui brise, déjà? Attends, je vais briser un peu la glace, moi. Tac. Sinon, les gens, ils vont jamais mourir. Hein. Voilà, faut briser un peu. Je prends du risque. En vrai, je devrais jouer à la survie. Plutôt que de jouer le bâtard. Ok. Là, le truc un peu technique... Ah bah, il n'y a qu'une boule de neige. Ah bah, du coup, c'est pas technique du tout. Normalement, ce qui est technique dans ce mode, c'est qu'il y a deux boules de neige. Il faut arriver à jauger. Tu dois en garder une en vue. Tu peux jamais avoir les deux réellement en vue. Tu en gardes une en vue et la deuxième, tu essaies d'évaluer un petit peu. Tu sais, tu regardes à gauche, droite. Tu fais, ok, l'autre, elle est à tel point. Je pense qu'elle va retomber à peu près vers là. Voilà, on va tous vivre. Hein. Ah ouais, non, mais il faut mettre au moins une deuxième boule de neige. Salut Darwin. Et oui, je suis constant sur les streams. J'ai dit, hein, je me lançais dans mon petit arc discipline. Bah, je suis vainqueur, mais tous les autres sont vainqueurs aussi. C'est un peu nul, là. Vous m'avez pris pour un enfant, là. Vous avez donné le trophée de participation, hein. Voilà. Allez, on va dire par principe, retour sur Fall Guys et on top 1. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme mode qu'on peut tester encore? Exploration est un nouveau mode de jeu, viens l'essayer. Créé par un joueur. Ah ouais? C'est quoi, il y a un mode qui a été créé par un joueur et ils l'ont rendu en mode principal, genre? C'est ouf, ça. Wesh, c'est quoi, ce bordel? Vous voyez des récompenses du pass VIP. C'est pas ça. Comment jouer? Ah bah, il n'y a pas de... Trois petits points. D'accord, donc... vous me mettez ça sur l'écran d'accueil, vous expliquez pas comment je joue au jeu. Bah, super. Ça me fait penser un petit peu à un Mario 3D, quoi. On va voir. C'est une course? Non, c'est peut-être juste une course. Oh putain, c'est une course de malade. Ça y est, t'as repris l'écriture de Rocket League. Let's go. J'ai dit, il faut focus dans la vie, c'est important. Ok. Wow. Punaise! Ah ouais, mais là. Oh là. Oh là 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 là, ça va être tellement dur! C'est quoi cette merde? Mais non, mais tu peux même pas plonger! Attends, je pense qu'il faut y aller comme ça. Mais comment je fais si je peux pas plonger, genre? C'est trop dur! Attends, je me laisse pousser. Non! Il a fait un petit cœur. À la japonaise ou à la coréenne plutôt. Non, mais ça marche pas! Tu dois plonger, mais si tu plonges, le truc te ramasse là. Non, putain, c'est. Oh, quoi? Mais attends, mais c'est quoi cette dinguerie? Mais c'est 4 Mario, c'est pas Mario Galaxy, pardon. Hein. Non, là par contre, c'est un peu nul parce que c'est de la chance quand même. Non, y a un facteur luck qui est trop important là. Là, tu vois, jusque là, je peux calculer. Voilà, là, pff,
J'ai maîtrisé les deux premiers obstacles, mais alors le troisième obstacle, frère. Ah là 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 là. Quoi? Non! Oh non, à la frame, je pouvais sauter. À fond, à fond, à fond. C'est quoi le trophée? Je suis tombé 1000 fois, c'est ça? Ah non, atteindre la vitesse maximale. Ok, ok. Non! Mais putain! C'est encore quelques fois et après j'arrête hein, ce mode de mort là. Non! 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 Mais putain, mais comment tu passes comment en fait? Attends, ah j'ai une idée! Non, mais non, je vais te pousser. Ah si, j'ai peut-être un plan. J'ai peut-être un game plan. Attends. Il faut être un physicien, frérot. Attends. Tac, tac. Non! Non! Ok. 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 Oh, ok. Casque du loup enragé, vous avez obtenu ce badge en regardant Elden Ring lors du lancement de l'extension Shadow of the Heart. Oh, mais c'est stylé! Je savais pas qu'il y avait des cadeaux comme ça sur Twitch. Bah putain, trop bien. Et pourtant j'en ai regardé hein, moi des présentations sur Twitch, j'ai rien moi, j'ai pas le droit à un petit truc. Et c'est où que tu vois que t'as des badges? Enfin que tu ta liste de badges. Oh non. Bon vas-y, ça m'a saoulé. Oui. 4 Mario, c'est bon 2 secondes hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Jouer. Non, attends, attends, je vais sélectionner mon mode. Ah oui, changer de partie, ok. Donc, solo duo groupe, fête du 4e anniversaire. Viens faire la fête avec nous au cours de dimanche, retraçant les 4 ans de Fall Guys. Ah ouais. Tout ça en vrai. Après, solo, il doit y avoir des nouvelles maps depuis. Hein. Y a, après, il y a les trucs découvertes aussi, que j'ai bien envie de savoir ce que c'est. On va faire fête du 4e anniversaire, ça va être le truc un peu le plus cool, le gros événement là. Dans la barre pour écrire l'étoile. Mais attends, mais tu me dis la barre pour l'étoile, mais quelle étoile? J'ai cheer, j'ai les emojis, paramètres de surbrillance, afficher modérateur, activer le mode bouclier, paramètres du chat. Peut-être si je suis sur le chat d'un autre streamer, je pense que je dois voir. Moi, dans la barre pour écrire, j'ai pas d'étoile. Hein. Ok, bon, bah, je checkerai chez d'autres streamers si j'ai la petite étoile ou pas. Allez, c'est à nous. La victoire des 4 ans anniversaire. Par contre, on n'était pas plus de joueurs que ça avant sur Fall Guys. Quand on lance une partie, là on commence à 26, ça me paraît plus. Il doit y avoir beaucoup moins de joueurs, donc ils se sont dit peut-être, je sais pas, on réduit. Oh, il y a Volcaloid. On peut passer au-dessus. Ça, c'est bien aussi, tu observes les autres joueurs, comment ils font. Bah ouais, c'est pratique. Hein. Oh, on se casse le cul. On a risqué à prendre une grosse boule dans la gueule. Là. Là. Hop. Youp. Les booms. On est bon, on est bon, on est bon. Enfin, on est bon, on est mid plutôt. En vrai de vrai. Je prends le risque là. Hop, oh, vrai. Oh. Oh. Ok. Allez, allez, allez. Ah, le marteau de bâtard. Bon. Yes, qualifié. Là où tu écris à gauche, genre là où le texte apparaît. Oui, mais... Attends. Faire blablabla. Bla, bla, bla. Ah, donc ouais, ouais là, il y a l'étoile. Ah, il faut écrire d'abord. Badge d'abonné de Power Julien. Diffuseur. J'ai un truc genre... Moi le diffuseur. Ok. J'ai pas d'autre badge. J'ai vraiment pas d'autre badge. Bon. Bah écoute, non, apparemment. Après, j'avoue que je passe pas trop de temps moi sur Twitch. Par maintenant pour streamer, mais. Je suis pas le meilleur Yankee de Twitch en vrai. J'ai jamais été un bon Yankee de stream. J'adore streamer, mais. J'avoue que regarder des streams, ça me passionne beaucoup moins. Mais je vais certainement le faire là si je décide de faire du stream sérieusement sur Twitch. Je vais peut-être regarder de plus en plus de streams à côté.
Genre, je fais un truc et je vais mettre un stream à côté pour comprendre un petit peu comment font les autres. Hop là. Je pense que les gars, ma personnalité, elle est suffisante. On va percer sur Twitch. Il faut juste s'en donner les moyens, bien évidemment. Comme on s'est donné les moyens de réussir à être édité sur Webtoon, tu vois. Hop là. Prochain objectif sur Webtoon. Ah, il faut faire quoi là? Il faut passer les cerceaux. Oh non, j'aime pas ce mode. Je vais perdre. Eh ouais, mais... Mais non! Ils disparaissent à chaque fois. Il y a un gros côté RNG, c'est ça le problème. Oh là là. Oh la RNG de bâtard! Trop frustrant, frérot. Yeah! Wesh! Le bug! Je crois que c'est possible. C'est juste un troll. Non, ça me fait paniquer à chaque fois que je me dis. Je vois des cerceaux, ils sont trop faciles. Et c'est les autres joueurs, ils prennent les cerceaux faciles. Non! Oh non, mais ce mode il est horrible, frère. Quoi, je l'ai pas eu du coup. Il avait pas disparu, mais je l'ai quand même pas eu. Non, mais pas comme ça. Oh, tu peux pousser ça? J'aime pas que c'était possible. Oh le bâtard. Non, par contre, pour moi, tant que le cerceau n'a pas disparu, tu devrais pouvoir le prendre. Hein. J'ai pas passé un cerceau, frère. Pas un cerceau. Oh, j'ai eu un cerceau, merci. Non, mais pas ce cerceau, mais non! Non! Ah! Toi! Bon, allez. C'est ciao les 4 ans anniversaire. Ouais, prochain objectif là sur Webtoon. Donc avoir un Webtoon édité au State. Et essayer de sortir un gros succès en France. Et pour ça, il faut pouvoir s'en donner les moyens. Donc il faudrait un petit peu augmenter en budget, changer un petit peu nos méthodes de faire et tout. Bon, en tout cas, assurer... Ils ont assuré des succès. Mais c'est assez compliqué parce que vraiment ça dépend quand même. Il y a une grosse part de marketing aussi. Ça c'est un truc qu'on ne contrôle pas. C'est extrêmement frustrant. Jenga. Ah oui, on voit. Your move, but the Jenga tower is falling. No. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? C'est vraiment... Alors là, c'est vraiment des niveaux de Mario en fait. Hein. La petite musique et tout là. Par là. Et les flèches, vraiment, c'est Mario. Est-ce que. Oh, ok. Ils ont pas dit que la Jenga Tower elle est en train de tomber? C'est pas l'impression que ça me donne. Hein. Là. Non! Juste que c'est si tu tombes, tu recommences tout, surtout. Putain. Oh, wesh! Ah ouais, tu commences à suer, je te le dis. Hein. Yo Léo! Et toi, comment ça va? Ah super! Ah non, accroche-toi! Ok. Hyper! Bon. Ok. J'espère qu'il n'y a pas un mauvais chemin. Non, ça serait pas le mauvais chemin, ça? Non, ça le fait. C'est bon. Ok. Là, c'est juste la main du Fall Guys qui... Ok, c'est du décor. Très bien réalisé d'ailleurs. Hop, incroyable. N'hésite pas à t'abonner Léo, à nous follow sur Twitch. Abonner, les gens ils pensent que à chaque fois, ouais, je suis un nouveau moi sur Twitch, donc
Je demande pas de payer. Juste follow nous, c'est très bien. Oh putain, on va faire de plus en plus de live. Ok. Et fin août, j'essaierai de mettre la cam aussi. Hop là. Ok. Ok. Putain les gars, on va réussir à Jenga Tower, c'est incroyable. En fait j'avais une carrière dans Fall Guys, je suis là pour arrêter enfin le dernier stream sur Fall Guys, mais en fait j'ai une carrière hein. Hop. Oh, les... oh il est sympa, il te fait rip-off. Je pensais vraiment que tu recommençais à 3-0. Mais là en même temps j'étais pas out of bound hein. C'est lui qui a décidé de me tuer là. Faire quoi là? Flèche ici. Ok. Ah mais c'est dans ce sens là qu'elle est en train de tomber la tour de Jenga. Putain mais le mec il s'est... Oh comment il s'est donné sur son niveau, ça fait trop plaisir. Quoi? C'est une merde. Alors là par contre il a voulu faire un peu trop compliqué là je trouve. Et hier on a battu un record. Depuis la reprise on était 4 sur le stream. C'est pas un truc de fou ça. Aïe aïe oh aïe. Quoi? Il faut arrêter de me tuer pour rien frère. Vraiment le jeu me tuerait pas pour rien. Je serais mort 0 fois hein. Du first try normalement. C'est incroyable. Là ça glisse comme ça. Et donner un travail à ce mec hein. Pour que Fall Guys ils embauchent ce gars pour faire des niveaux. Parce que c'était incroyable. La tour de Jenga géante là. Ah ouais ça m'étonne pas que ce soit un des premiers niveaux conseillés. Ok bah trop bien le créateur de niveau. On va voir ce qu'il y a d'autre. Là il y a une genre de course. Cake. Lunar Landing. Oh, ça a l'air d'être un... Enfin, ça a juste l'air d'être des courses un peu travaillées, ça. Moi, je veux vraiment faire des modes, ouais, tendance artistique. Jenga. More ancient than you. Ok. Et il y a Cars de Jojo, frère. On fasse Cars de Jojo. Qu'est-ce que ça va être, ce truc? C'est toujours atteint Cars ou Conquer the Sun. Ah ouais, c'est vraiment Cars dans sa forme ultime, quoi. Est-ce qu'il a juste fait Cars? Il n'y a pas de course? J'ai l'impression que le mec a juste fait Cars et qu'il n'y a pas de course. On va voir. Il a raison, le gars, d'être déjà assez fier d'avoir fait, d'avoir réussi à faire Cars dans Fall Guys, quoi. Kimbut, c'est pourquoi lui, en fait? Pourquoi? Pourquoi de tous les personnages des mangas, c'est Cars? Ah mais attends, ah si, il y a quand même... Ok, petit challenge là. Wop. Wesh. Ça va, je suis content qu'ils mettent pas des spawns de gros bâtards. Ah ouais. Oh, ça va être stylé. Oui, ça n'a rien à voir avec Cars, mais je prends... 5 personnes sur stream, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, Twitch nous met en avant, les gars. Twitch nous met en avant, on a fait... Ils ont vu qu'on a streamé comme des bâtards, là, ces derniers jours. Oh, wesh. Est-ce que... Ok, merci. Attends, donc là, on est là. Donc on peut admirer Cars en beauté, là, les pecs. En déjà, il nous regarde, c'est un peu comme la... Ah, en fait, c'est un chef-d'œuvre, c'est comme la Mona Lisa. Peu importe où tu te trouves, Cars, il te regarde. Ah, c'est l'avion. C'est l'avion qui a permis de tuer Cars. Attends. Je suis pas très très bien placé sur l'avion là. Je peux monter. Oh, on y arrive. C'est ouf. Il manque juste le volcan. Voilà, comme ça vous êtes bien spoilé si vous n'avez pas encore vu Just Bizarre Aventure. Vainqueur. Bah oui, mais bien sûr. Bon, on était seul, hein, mais. Alors, regardez, mon perso il fait chute. Il fait que ça. Ah non, pardon, il est plutôt en mode moi, c'est moi qui ai gagné. Ouais, ouais, c'est toi, t'inquiète, frérot, t'étais seul. Pas de problème. Ok, trop bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, franchement, je te dis, ça me fait trop plaisir pour
pour les jeunes joueurs. Parce que bon bah à notre époque déjà le multijoueur était ultra rare. Jouer avec ses potes, bon c'était sur Call of Duty quand on était au collège, tu vois. À part ça, il n'y avait pas grand chose. Et là, t'as tellement de jeux free-to-play, un petit peu de tous les genres, qui sont vraiment bien foutus et qui mettent des mises à jour et ils peuvent même créer, les jeunes peuvent créer leur propre niveau et tout. C'est incroyable. Vraiment, j'aurais eu ça moi quand j'étais au collège, mais... Oh là là, déjà que j'étais satisfait en termes de jeux vidéo, mais alors là... Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, c'est censé être inspi jeux olympiques. Hein. Oh la musique, l'OST est incroyable. Ah oui, mais en fait il t'a fait la cérémonie d'ouverture des JO en carte Fall Guys. Alors, j'avoue que j'ai pas trop suivi, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui devaient représenter des épreuves. Là du coup c'est forcément l'athlétisme. Et là c'est quoi genre j'ai remporté l'or? Je pense que ça veut dire ça, je pense que ça veut dire j'ai remporté l'or. Ah la natation. Oh! Insane. Ok. Bon bah j'ai reconnu l'athlétisme, la natation. Après j'avoue que j'ai pas reconnu grand chose d'autre. Mais c'est, ça va, c'était quand même rigolo quoi. Est-ce qu'on a d'autres trucs à faire un petit peu là? Il faut offrir du spectacle à notre public. Ça là, je sais pas ce que c'est. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ce... Ouah, ça a l'air compliqué ça. Ah, il y a une explication carrément, mais c'est écrit en japonais. Qu'est-ce que c'est que ce bord... Wesh. Je crois que... Attends, mais c'est le système solaire? Non, parce qu'il n'y a pas toutes les planètes du système solaire qui ont un anneau comme ça. Quoi? Oh, regarde! Oh, what? Il y a un truc, là. Il y a un tableau en face. Ah ouais, mais il nous fallait les explications, là. Ok. Bah d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, faut les explications. Après je peux tenter d'arnaquer hein, mais. Eh, je vais tenter d'arnaquer un petit peu. Et en fait les planètes, je pense qu'elles sont là pour te pousser à think fast. Ah ouais, bon, tant pis. Dommage. Ouais, il y avait clairement un truc, c'était un genre de mini casse-tête. Mais si tu connais pas les règles du casse-tête, alors j'ai pas envie de passer ma journée dessus non plus. Pastel Paradise. Non. Down the Rabbit Hole. Référence à Alice au Pays des Merveilles. Ok. C'est quoi les trucs les plus populaires de fou, genre? Tendance détente. C'est beaucoup liké quand même, hein. Oh, Dropper Guys. C'est vraiment beaucoup, beaucoup liké. Ok, on va aller voir Dropper Guys. Tu tombes de 8 Dropper Levels. Dodge tous les obstacles. Ok. Dropper Guy. Allez, c'est parti. Ah, c'est plusieurs... Ah ouais, d'accord, il y a plusieurs niveaux. Si je touche un obstacle, je meurs, c'est ça? Ok, ok. Oh mais oui, mais tu m'étonnes, c'est trop efficace, bien sûr que c'est liké. Ça pourrait être un jeu à part entière, ça. Quoi? What? Oh putain. Ah ouais, alors ça, y a ça dans le dernier Zelda. Ok. Niveau 3. En fait, il te faut remonter à chaque fois... Ouais, c'est de toute façon t'es TP donc c'est vraiment ça a l'air d'être vraiment visuel ça. Je voulais quand même, il fallait vérifier une fois hein. Quand tu te touches tu meurs. Hop. Punaise. Oh waouh. Ah ouais c'est chaud là hein. Il vaut mieux aller là je pense. Okay.
putain. Oh putain, c'est... attends, mais c'est le niveau combien? C'est le niveau 3, ça? Ah, la courbe de difficulté, bon... Ok. Pêche. Est-ce que vous réalisez le pixel que c'était ou pas? Ok, niveau 4. Oh, ça, c'est joli, ça. Je pense pas que ça va être très dur. Ça va être surtout très joli. Ouais, c'était tranquille. Ok. Cinq. Ok. Pour l'instant, je trouve que le truc avec les cubes, c'était le plus dur. Hein. Il fallait vraiment passer dans un trou de souris. Parce que là... Allez, 6. C'est un plongeon, je pense. Ah ouais, celui-là. Okay. Ok. Let's go! Non, vraiment, les gars, putain, vous pouvez tellement prendre du fun sans mettre un centime maintenant. Ah, quoique, non, tu peux quand même payer les... Les Game Pass, les machins, etc. pour jouer en ligne. Et à part ça, il y a tellement de jeux free to play cool, je suis choqué. Qui ça y est sur Fall Guys? Mais moi, je le dis, hein. À chaque fois que je me plains sur un jeu vidéo, je répète, je suis pas quelqu'un de difficile. C'est juste les gens qui font de la merde. Ah, c'est fun! C'est pas compliqué de faire un truc fun, tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils arrivent à rendre un jeu chiant, genre. Ok. Là. Ah ouais. Putain. C'est bon. Plus de peur que de mal. Let's go. Le mec est trop fort. On les a quasiment tous one try. Hein. Oh, je pense vraiment que c'est un jeu quand même... C'est une destination des très jeunes, je pense. Pour les jeunes, ça doit être un truc de fou, ça. Ils sont en mode waouh! Wow, t'as fini, toi, Dropping Dropper Guys 2? C'est-à-dire qu'il y a Dropper Guys 1. Tellement populaire qu'il y en a eu un 2, quoi. 200 likes. Moi, je suis là, je veux juste vivre pour les caméras. Hein. Je fais que les plus de likes. Donc, attends, il y a 7002 là. Marvelous congratulations! Ça a bien populaire au Japon, leur. Leur jeu aussi. Hein. McDonald's. On va faire celui-là. Qu'est-ce que c'est? Attends, me dis pas. Ne me dis pas que le mec a réussi à fabriquer une voiture dans Fall Guys. Three, two, one, let's go. Ah oui, non mais de toute façon on peut se mettre en boue. Ok. Oh, c'est Sonic! Sonic Heroes. Putain. Chaque fois que je repense à Sonic, ça me rend envie de jouer à un jeu Sonic. Il y a un monde où on se fait un arc Sonic, les gars. Non, ça y est. Ah, je sens, vous sentez cette nostalgie là qui monte dans votre poitrine là. Ah putain, Sonic, frère. Sonic Heroes, les Sonic Adventure. J'aime pas les Sonic 2D, moi. Voilà, tout le monde dit Sonic est mort à partir de la 3D. Moi, les Sonic 2D, ils m'amusent pas. Peut-être que je pourrais leur relaisser une chance, hein, mais vraiment, ça m'amuse pas. Alors, les Sonic 3D, là, et de la période un peu GameCube, PS2 et tout, incroyable. Après, je suis assez d'accord que, genre, à partir de la Wii, c'est devenu un peu naze, mais... Wesh, c'est vraiment Sonic. J'ai un Need for Speed un peu plus que ça, par contre. Il faudrait qu'on aille plus vite, là. Ou alors que tu mettes des obstacles, un truc. Là, il aurait pu mettre, des petits... Il peut mettre des sols en magma un petit peu, là. Ça manque un peu de challenge, hein. J'aime beaucoup. Ouais, mais ça nous fait aller plus vite, ça. Il aurait dû en mettre plus.
Et au final, ça monte quand même le potentiel. Hein. Ah ouais, t'as une voiture là. Ça y est, c'est le seul challenge. Ah bah, on esquivait le... Voilà, il y avait un truc à éviter de tout le niveau. C'était même pas difficile de l'éviter, quoi. Bon, bah... Merci à ce joueur, quand même, d'avoir donné de son temps pour faire ce niveau. Et de m'avoir refait monter une nostalgie de ouf, Sonic. Alors... C'est quoi tout ça, tendance hebdomadaire? Pourquoi je loupe trop petit? Ah, oh, il faut y aller avec des gens. Ah, oh, si j'avais des amis, on pourrait tester des trucs... Attends. Shark Party? Ah oui, mais parce que je peux pas lancer un lobby avec des gens. Ça a l'air fou tout ça. Hein. Bah, c'est pour ça que j'ai dit que... Il y aura certainement... Enfin, ça, faire le live là, ça veut pas dire qu'il y aura plus jamais de live sur Fall Guys. Donc, tout ça, ça peut se tester. Hé, hey, Enzo! Un petit badge 2023 là. Est-ce que tu es bien le Enzo que je crois qui fait aussi du stream? Non, je crois pas. Il y a un Enzo que je connais là, qui fait aussi du stream. Et bah, bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à lâcher ton meilleur follow. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire du solo, je pense. On va essayer de top 1. On a top 1 le premier truc, mais c'était pas vraiment un top 1. J'ai l'impression que on a tous gagné un petit peu. Pourtant, ça s'appelle tournoi. Pour moi, je lance un truc qui s'appelle tournoi. Par principe, il y a un gagnant au tournoi. Mais voilà. Si j'avais des amis, une phrase si triste. Mais si réel, mais si réel. Ouais, c'est pour ça qu'on invite les abonnés sur Fall Guys. Hein. Non mais ça va être très cool quand on va se faire des petits arcs là sur des jeux multi et qu'on va inviter les abonnés, ça va être vraiment cool. 6 personnes les amis. Mais en fait est-ce que c'est parce que ça y est on stream beaucoup? Ou est-ce que c'est parce qu'on fait du Fall Guys? Faudra évaluer, peut-être que le Fall Guys ça marche très très bien sur cette chaîne Twitch hein. Peut-être qu'on a un truc à apprendre sur Fall Guys. Hop là, pas ici. Ah moi les gars, je suis une pute hein. Si vous venez à 300 sur Fall Guys, il y a plus de Fall Guys dans ma vie hein, il y a pas de problème. En vrai, en plus j'aime le jeu, tu vois, c'est pas comme si depuis tout à l'heure je m'amuse comme un petit fou. Tu veux me rejoindre? Bah écoute, en vrai de vrai, on est à combien là? On est déjà à 48 de live. C'est vrai que je vais voir, attends. Je vais te dire. Je finis cette partie. Et je vais regarder dans les... Comment on s'est invité déjà avant là. Si je peux t'inviter juste en tapant ton pseudo et pas en ajoutant un ami, ça sera un oui. S'il faut s'ajouter en ami et tout, vas-y, c'est trop galère. Et si jamais je refais des live Fall Guys, mais j'ai l'impression que... En fait, ouais, vous êtes venus pour Fall Guys. Les gens, ils sont là, ils viennent en mode « Oh, tiens, il y a un gars qui joue à Fall Guys. » Non, on peut pas, on doit ajouter. Ah, merde. Non, ça, c'est chiant, ça. Ah, on me dit dans mon raid que c'est passé à 4. C'est pas grave, on a été 6. Et ça, Twitch, dans la review du live, va me dire, vous avez été 6 pour lui. Après, il me fait la moyenne des spectateurs, évidemment, c'est toujours moins, mais moi, je m'en fous, je ne regarde que le top. Non, mais c'est très bien. Parce que j'ai un succès, un de mes succès, c'est d'arriver, bon, on y est loin encore, à 70. Et de savoir que ça monte de jour en jour, c'est quand même très plaisant, tu vois. Ah, c'est quoi ça? Attends, on ne peut pas prendre, je pense, une balle rebondissante. Quoi, c'est pour faire tomber les autres, c'est ça? Je dois être un peu un gros bâtard. Ah bah. Parce qu'il y a des gens qui ont été un peu plus bâtards que moi là. Terminé. Alors du coup, si on doit ajouter. Je vais dire, voilà, Enzo, tu es nouveau. Donc, nous on a une chaîne YouTube à la base qui a le même nom. Maintenant, la chaîne YouTube s'appelle PowerJ. C'est vrai qu'elle est rediff et il y a plein de let's play. Et notre objectif, c'est de finir un peu tous les let's play qu'on a commencé et jamais fini. Fall Guys en fait partie. Il y avait Dragon's Dogma là, si tu regardes les rediff. Il y avait Overwatch, il y avait Apex Legends. On a tout bouclé. Et là, bah, c'est le tour de Fall Guys. Par contre, effectivement, bah, si un jour on lance un arc Fall Guys, on ajoutera tous ceux qui veulent jouer avec nous, ils viendront avec nous. Mais le plus probable, c'est qu'on fasse d'autres arcs. Pour l'instant, on se dit, une fois qu'on a fini un peu tous les let's play qu'on avait commencé, qu'on peut repartir sur de bonnes bases, c'est possible qu'on fasse du X Defiant, tu vois. Let's play. Le terme let's play, il est même plus utilisé, ça y est, je suis vieux. C'est fini. Oh,
J'ai perdu. Quel connard. Je perds jamais sur ça. C'est quoi le... Je crois qu'il vaut même pas... Il vaut mieux même pas regarder combien j'ai fait. Alors, un let's play, en gros, bon... De base, c'est assez large, ça veut dire qu'on joue à un jeu. Voilà, let's play, donc jouons, en gros, ça veut dire. Mais ça peut aussi vouloir dire que tu fais le jeu de A à Z, du début à la fin. Voilà. Tu fais une aventure sur le jeu, avec plusieurs épisodes. Donc, Dragon's Dogma, par exemple, c'est un jeu solo. Donc, on a fait tout, tout Dragon's Dogma, de l'épisode 1 jusqu'au générique de fin. Voilà. Et après, ça te permet que tu sois en live, tu vis l'aventure avec nous. Ou alors, tu vas sur la playlist et tu regardes la rediff et t'as tout, toute l'aventure. Et je pense qu'il vaut mieux être en live avec nous. Parce que franchement, les lives, on parle un petit peu d'actualité, on parle un petit peu d'à gauche et à droite ce que je fais. D'ailleurs, j'en profite. Puisqu'on commence à avoir de nouvelles personnes sur Twitch, il y a des gens qui nous découvrent par Twitch, que je suis auteur de Webtoon, donc c'est de la bande dessinée, et que tu peux aller lire mes BD gratuitement sur Webtoon, si tu connais l'application. Si Darwin est toujours là dans le chat, il pourra même t'écrire le nom de mes séries, s'il est sympa. Hop. Est-ce qu'il est fraise ou est-ce qu'il est myrtille? Alors dans la vraie vie, je les esquive pas, ça je... pas me mettre un paquet de fraises ou de myrtilles sous les yeux, là, c'est un carnage, frère. J'en ai envie maintenant. Alors c'est trop marrant parce que je suis un gars qui est pas... J'ai peut-être un peu abusé là. Je suis un gars qui est très très peu sensible à la publicité, tu vois, par exemple. Mais des fois, je fais des associations d'idées, ça me donne vraiment envie de trucs. Alors là, je viens de voir les petites fraises et les petites myrtilles, je pense pas que... Fall Guys et des actions dans le lobby des fraises et des myrtilles, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas troller là. Ah, c'est bon. Hop là. Allez. Et là, non. Oh ouais, non. Si tu prends le truc du milieu, t'es mort. Mais non. Je perds pas sur le premier niveau. Hein. C'est... Non. Et pourquoi? C'est censé marcher, hein, je vous le dis. Tac, en fait, juste prendre mon temps. Voilà. Oh, j'ai failli me prendre la clochette. Voilà, Stalllight et Godseer Legacy sur Webtoon, merci Darwin. Alors, Godseer s'est attaché. Et après Legacy, un autre mot. Et donc, c'est deux bandes dessinées que tu peux lire gratuitement sur ton téléphone ou même sur Internet. C'est un peu comme quand tu lis des mangas en scan. C'est dispo, c'est Webtoon, hop, tu peux tout lire gratuitement. M'en dire ce que tu en penses. C'est de l'action fantasy, donc en général, voilà, c'est un peu le genre de truc que tout le monde aime, quoi. Ouais, je le connais celui-là. En fait, le jeu, il a pas tant changé que ça, à part les niveaux créés par les joueurs. En 2 ans, c'est les mêmes maps, pour le coup. Top, merci Enzo, tu régales. Et j'ai une nouvelle série aussi qui va arriver là. Alors c'est censé arriver dans un moment, c'est arrivé début 2025, mais vu le rythme là de production, je pense que ça peut arriver plus tôt. Elle s'appellera Gagacha, cette nouvelle série. Là. Là. Ok. Trop fun. Je vous dis, Fall Guys, c'est juste trop fun. C'est vraiment, tu sais, le plaisir simple que tu retrouves sur un bon vieux jeu Nintendo, genre un Mario. Et vous imaginez, là, le Mario Battle Royale ou pas? Est-ce que tu imagines Mario Free-to-Play Battle Royale comme, un peu comme Fall Guys, de la plateforme 3D, là. Oh là là, mais ça serait tellement fou. Mais Nintendo, ils ont de l'or entre les mains. Ils préfèrent en faire de la merde. Voilà. Déjà, c'est absurde qu'on n'ait pas de nouveau Mario 3D depuis Mario Odyssey, qui était déjà un Mario 3D fait à l'arrache, comme ça. Zelda, frérot, ils te font Breath of the Wild, le jeu c'est une bêta. 6 ans plus tard, ils te font Breath of the Wild 2, c'est encore une bêta de la bêta, genre. 6 ans, vous aviez eu le temps de finir le jeu quand même. Oh, il y a le... Comment il s'appelle? C'est les ennemis dans Doctor Who. Des collabs de tout, en fait, dans Fall Guys. Alors, je suis pas trop fan de Doctor Who, mais de retrouver les aliens poubelles, là... Ça me bute de rire.
je vais mourir ici. Ah ouais, ça s'accélère, ok. Je commence à me dire, frère... vouloir, mais quand même malgré ça, il faut vouloir pour crever ici. Bon, mais là, c'est comme ça, en fait. Ah non, c'est un piège, faut pas faire comme ça. Faut attendre que ça se détache. Posément, les amis, si on peut finir sur le top 1 là, notre live, ouais, on a combien, 45 minutes. Franchement, je finis sur un top 1, moi je suis content. Et un peu plus tard dans la soirée, alors moi j'ai un appel professionnel à 21h. Voilà, autour de Godsears Legacy d'ailleurs. Très bonne nouvelle pour Godsears Legacy, très certainement que ça va reprendre, les amis. On n'y croyait pas, moi franchement, j'y croyais pas du tout. Voilà, je pensais que ça allait être... En fait, je pensais que j'allais devoir batailler pour faire reprendre Godsears Legacy. Et au final, ça m'a surpris à l'inverse, en mode, bah ouais, on veut bien que ça reprenne Godsears Legacy, tu vois. Évidemment, des conditions, machin, etc. J'étais en mode, mais waouh, j'ai pas eu... je pensais vraiment qu'il allait falloir se battre. Alors, je me suis battu, hein, j'ai donné les arguments et tout. Mais je pensais que ça allait passer d'abord, tu vois, par un refus ou un truc. Non, tout de suite, en mode, non, mais ça nous va. Ok, c'est ouf. Donc du coup, maintenant, le problème, c'est pas tant d'avoir l'accord de Webtoon, c'est de trouver la bonne équipe pour reprendre la série, quoi. Oh, putain. Ah, et vous savez, un petit peu mon histoire avec moi et les petits biscuits chinois, là, qui disent l'avenir. Les biscuits chinois, ils se sont jamais trompés. Je vais souvent, quand je suis en mode un petit peu... Là, je me questionne sur ma vie. Je vais aller me prendre un petit chinois, tu vois, je vais au petit traiteur chinois en bas de ma maison. Et je prends toujours en dessert le petit biscuit porte-bonheur chinois avec le message à l'intérieur. Et alors là, le message, il pouvait pas plus me régaler. En plus, vous savez que c'était... Alors, c'est fou parce que je suis le mec qui a l'esprit le plus rationnel et scientifique. Et que je parle comme ça, j'ai l'impression d'être un illuminé. Je me rappelle des gens là qui pensent aux anges gardiens et tout. Putain, il faut que je reste focus. C'est le dernier en plus, c'est le dernier. Il a voulu me tuer, il a voulu me nuire. Ah non, il y a encore deux personnes. Ok. Je reste focus. Oui, j'ai eu un message. Et c'est depuis que je me suis fait exorciser là par un prêtre. J'avoue que, comme je l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir pas mal de luck. Ouah, pourquoi il est tombé? Ah, wesh, le jeu. Quoi? Il y avait personne qui avait marché sur cette plateforme. Le jeu, il m'a enlevé la plateforme sous mes yeux. Bah ok alors. Yo Weiser, l'exercice va fonctionner. Bah j'ai plus de poisse depuis ce jour là. Et au contraire, j'ai presque de la chance, tu vois. Et écoute, j'ouvre mon petit biscuit chinois, qu'est-ce qu'il me dit? Tout simple, simple, je l'ai jamais eu celui-là. C'est un vraiment. J'ai beaucoup mangé au chinois. Et c'est vraiment un message, tu te dis, mais il est ultra basique, il doit être dans tous les biscuits. Je ne l'ai jamais eu. Et il dit quoi? Il dit: beaucoup de bonnes choses vous viendront. Je suis installé dans cet appartement depuis 9 ans, je crois. Ça fait... Attends, j'ai quel âge? Je sais même plus quel âge j'ai, frère. Ça y est, je suis trop vieux, là. Non, j'ai 27, donc ça fait 8 ans. 8 ans que je suis installé dans cet appartement, que je mange au chinois d'en bas, que je prends des petits biscuits chinois. Première fois de ma vie, et c'est juste après que je me sois fait exorciser, je chope ce message. Beaucoup de choses vous viendront. T'as la version anglaise derrière, je vais prononcer avec mon accent magnifique. A lot of good things will come to you. Pas ouf ça? Voilà. En fait, je me dis, franchement, il a eu une réussite à 100%. Et des fois, des prédictions ultra précises, le petit biscuit chinois. Et des trucs absurdes, hein, je crois que je vous avais déjà raconté. C'est pas des trucs que tu dis, c'est large et t'interprètes. Vraiment, des fois, ça parlait de machin, de belle-mère. Et c'était exactement, vraiment, le truc qu'il y avait en ce moment, tu vois. C'était ouf. J'étais en train d'écrire un scénario qui s'inspirait de ma belle-mère de quand j'étais jeune et qui m'avait traumatisé, machin, etc. Et c'était quoi? Et le concept du scénario, c'est que la belle-mère, elle hantait les pensées du personnage. Et le petit message chinois que j'ai reçu, genre le jour où j'étais en train d'écrire ce scénario, ça disait la belle-mère, c'est comme la raison, une petite voix dans la tête. Tu vois, une phrase comme ça, et j'étais en mode... C'est exactement le scénario que je suis en train d'écrire. C'est mon scénario de fin d'études. Que des bails un peu comme ça. Et du coup, salut Aizer, n'hésite pas, on n'est pas fou. N'hésite pas à lâcher ton follow.
on va streamer assez souvent ici. Fin août, on va streamer, il devrait y avoir même la cam. On va faire pas mal de petits arcs très très cool sur Twitch. On va tester des différents free-to-play, inviter des gens. Et il y aura des let's play, il y aura un petit peu de... Il y aura du manga, on regardera des animés, des séries, on fera des découvertes. On critiquera des trucs à gauche et à droite. J'aime bien critiquer, j'ai des avis assez tranchés sur tout ce qui est animé, manga et tout. Ok. Et bon, on n'a pas top 1, ça je suis quand même un peu... je suis un peu déçu là. On retente 1 pour la route ou pas? En vrai. The Live n'a pas fait une heure encore. Allez, on en retente 1 pour la route. Voilà, donc non, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. C'est assez galère, je vous dis pas, le taf est difficile. Hein. Mais je l'ai cherché, c'est-à-dire que là je vais devoir gérer 3 séries éditées en même temps. Une quatrième en plus, là le projet se monte. Et j'ai un cinquième, c'est le but, c'est d'avoir le webtoon édité au steak. Je les ai tués, il est mort lui. Oh le noir. Je crois que je l'ai sorti de la map. Ouais, je le vois plus. Oh, j'étais un gros bâtard. J'étais un raciste. Tiens, ça, c'est cadeau. Je l'ai sorti. Je crois que je l'ai sorti. J'ai failli me kill avec, mais je l'ai sorti. Ok. Ouais, donc tous les projets un petit peu que j'ai lancés, là, évidemment, je vais les poursuivre. Là, j'essaie d'avoir un petit peu des contrats un petit peu brain dead. Et qui peuvent rapporter pas mal d'argent. C'est pas, si c'est brain dead, c'est pas des contrats qui vont me demander d'écrire, tu vois. J'aimerais bien adapter des épisodes étrangers. Il y a pas mal de petits sous à se faire là pour le studio, ça peut être pas mal. Ça, je sais que je peux en faire toute la journée, vraiment comme ça, en brain dead, très très bien. Et commencer à mettre un petit peu des sous de côté, quoi. Par contre, tous les projets là, je commence à voir mon cerveau, il surchauffe là. Je saute de God Sears à Gagacha à Stall Knight à la série que je suis en train de produire, puis à la série que je veux faire sur Webtoon Amérique. Donc j'ai tout lancé, c'est des projets, ils sont tous sérieux, ils sont tous pros. Donc maintenant je vais les mener à bout, c'est sûr. Mais le focus numéro 1, c'est de faire, là c'est l'objectif à atteindre, les éditeurs américains. Ça c'est le truc, il faut concentrer sa force. La prochaine étape. Ok les gars, maintenant je focus sur Fall Guys. Objectif top 1. Et peu importe le résultat, c'est notre dernière run de Fall Guys avant, je pense, un long moment. Quoi. Après, j'ai été surpris de voir qu'il y a beaucoup de monde qui se sont ramenés pour le live Fall Guys. Hein. Ça a été jusqu'à 6. Des gens qui venaient parce que c'est Fall Guys, j'ai l'impression. Des nouveaux, hein, pas mal de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Après, on va pas non plus se presser à s'enfermer sur un jeu comme ça. Hein. Là, on a pas mal de let's play à finir avant. On pourra évaluer. Est-ce qu'il y a un jeu, peut-être qu'on va être surpris. On va lancer un live sur un autre jeu et on va avoir encore plus de monde qui va se ramener pour ce jeu spécifique, tu vois. Et c'est cool, ça veut dire que le système fonctionne, les amis. Le système de Twitch fonctionne, tu streams sur un jeu et les gens viennent voir ta chaîne pour le jeu, quoi. Et après, il reste pour toi. Et ça c'est cool. Alors, je sais pas si j'ai marqué l'essai aujourd'hui, je suis pas sûr. Hein. Est-ce que des gens ont lâché leur meilleur follow? J'espère. Si on peut avoir, sur les 6-7 personnes qui sont venues ce soir, une personne qui a lâché son follow, je suis très content. C'est quoi ce... Ah, mais je crois qu'il est censé avoir écrit match terminé, mais il n'y a pas la place, donc du coup ça se superpose. Ok, on a encore qualifié, let's go. Là, c'est la finale, hein, normalement. Est-ce que c'est la finale? Les boules. Ça, je peux être premier au bout de neige. Manche finale, ok. Allez, les gars. Tout pour le top 1, tout pour les abonnés. Ouais, donc comme je disais, j'ai un appel pro à... Je quitte maintenant. Ah non, je quitte pas. Je vais faire une bêtise. J'ai un appel pro à 21h. Fin de l'appel. Si je me sens chaud, je vous fais du Doom Eternal. Ah non, c'est pas les boules de neige. Oh non, ça c'est chaud. Hein.
Ça, c'est une petite part de random quand même. C'est de rester sur les plaques les plus hautes, évidemment. Je ne sais pas c'est quand la dernière. Ah, c'est juste après là. Juste après c'est le trou déjà. Ouais moi je marche tout, hein, faut que ça avance. Ah mais il y a eu une collab Sonic en plus, j'avoue j'ai même pas fait gaffe. En Sonic. Ah, est-ce qu'il est en Sonic ou en Super Saiyan du coup, parce que il est peut-être en... il peut être en Sonic évolué ou en SSJ3, tu vois, ça peut être l'un ou l'autre. J'ai l'impression que c'est Sonic quand même, parce qu'il a l'air d'avoir les petites oreilles de Sonic. Oh putain, mais j'ai glissé. Mais pourquoi j'ai glissé? Mais non. Mon top 1. Bon, c'est Sonic. Et c'est confirmé, il a les petites oreilles. Ah, je suis deg. T'as fini combien du coup? Le parcours? Combien? Dites-moi, je suis combien? Je sais pas. Je crois que j'ai fini genre 3ème. Ok! Et ben les amis, c'était notre live Fall Guys. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à ceux qui ont regardé également la rediff. C'est donc une boucle bouclée pour ce jeu. Je prends mon petit crayon à papier, je prends ma petite liste. Fall Guys, il est là. Il est rayé. Il ne reste plus que 92 jeux à finir. Non mais il reste beaucoup, en vrai je les ai pas comptés. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jeux encore à finir. Mais là, il y en avait 21 à la base, on a déjà fini 3 en 2 jours. Ok les amis, encore une fois merci, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve potentiellement très très vite pour du Doom. Ciao !